Alors je suis dans l'enceinte du port ouest, juste au-dessus là de la base nautique du port. Devant nous avons l'entrée et les deux jetées du port ouest. Et ici devant c'est la darse de Grande Plaisance qui maintenant est occupée. Voilà quelques bateaux, une bonne quinzaine. Je vous la fais par ponton. Premier ponton. Deuxième ici. Et par derrière le dernier. Nous allons faire le tour là. Pour se rapprocher plus ou moins des bateaux sans vraiment rentrer sur les pontons aujourd'hui. On prendra pas ce temps-là. Allez, let's go. Voilà, on s'est téléporté devant les bateaux du premier ponton. Là. Premier ponton d'isage où se trouvent 3 bateaux. Alors en tout, il y en a 28. Hein. Voilà le prolongement par là derrière. Voilà, c'est celui qui est le plus près de la base nautique qui se trouve ici. Attends, vraiment c'est là. Voilà, en tout, il y a 28 bateaux, là. Jusqu'au bout, là-bas. À la base nautique again. Elle a été bien clinifiée. Elle est clôturée, hein. On ne peut pas rentrer, de ce côté-ci en tout cas. Allez, on va se rapprocher de chaque ponton de ce côté-ci. Alors, on accède au ponton par cette porte, ce que vient faire ce monsieur qui est là. Et ensuite, on a droit au ponton. Il me semble que la porte est ouverte, mais il me semble pas que je vais y aller, car j'ai pas vraiment le temps. Alors on accède par un bel escalier tout propre, tout neuf. Et il y a le soleil qui fait une aide d'honneur là. Ils ont prévu même la rampe pour les handicapés, ce qui est bien sympathique. Le dernier ponton, là. Un peu en contre-jour.
sentier le long, éventuellement un petit peu par là-bas. On ne sera plus en plein soleil. Voilà, nous avons fait ce pourtour là. Maintenant, nous allons contourner les pontons. Il y a un vigile qui fait son tour et les familles commencent à venir avec les 28 bateaux. Voilà une autre entrée par ici. L'entrée se trouve là-bas au fond. Voilà, par ici, on a au sud-ouest un accès au quai. Voilà l'entrée, une autre entrée, la deuxième. Et nos pontons donc. Alors on peut marcher tout le long comme ça. Arrivé là, on peut tourner là-bas. On peut se faire chaque ponton. Cul-de-sac, il faut retourner en arrière donc. Comme ceci, on revient. C'est le sud. Et là, on est arrivé au coin de l'ouest de la Darse. Tombé du ciel à travers la fenêtre. Je fais juste une petite écartade. Je suis passé sur l'autre quai, enfin le quai devant la Darse. Alors c'est le quai Gilet, je ne sais plus comment il s'appelle. En fait c'était le quai céréalier. Et pourquoi je viens là? Déjà le coucher de soleil est derrière. Ici, mais il n'y a pas encore tout droit. Et ce que je voulais voir, c'était ça. Voilà un voilier en action devant les quais cimentiers là. Et voilà, ici c'est l'entrée du port ouest. Voilà, là c'est l'entrée de la Darse de Grande Plaisance. On va y retourner pour finir la vidéo, mais. Par là-bas, c'est la Darse hauturière, la Darse de pêche. De nouveau, le quai cimentier. Et voilà notre bateau qui essaie de partir. Et j'ai dégagé un peu le soleil, là, qui est quand même encore haut. Que nous irons peut-être voir là-bas sur la jetée sud du port ouest. Mais là, on va se contenter de son reflet. Il manque un peu de bitume par ici, mais c'est bientôt fini. Alors voilà notre Darse par le nord.
nord-ouest. Nous avons commencé juste par là-bas. Là, nous arrivons à son entrée. Au-dessus, c'est les maisons d'habitation des gens qui travaillent au port, la capitainerie, le capitaine, enfin bref. Et ici, ce sont des trucs sucriers. Et voilà l'entrée pour aller à la Darse Hauturière. Voilà, ils nous ont installé les lumières. Alors ça, c'est les lumières du sud. Ça pourrait être les lumières du nord, je sais plus. Voilà l'entrée. On remonte un petit peu. On est bientôt à la fin, hein, vous en faites pas. Alors, la base nautique. Le contrebas de la base nautique. Là, on peut éventuellement se promener sur le ballast. Voilà, notre bateau est sorti du port et le soleil descend. On vous aura fait à peu près tous les angles, hein. Voilà les 30 dernières secondes, ou presque. On va se dire à la revoyure. Je vais aller voir le coucher de soleil derrière ce bâtiment. Allez, ciao, bye. Salam alaikum.